L'arrangement qui est proposé ici est assez difficile, nécessite quelques années d'expérience. On utilise des tonalités un petit peu élaborées comme si bémol mineur, mi bémol mineur, la bémol majeur, c'est-à-dire des tonalités où il y a beaucoup de touches noires. Et ces tonalités vont être utilisées dans des motifs d'arpège, main gauche, par exemple ici, ou sur d'autres tonalités. Dans le même temps, bien sûr, à la main droite, il y a des motifs mélodiques ou des motifs d'accompagnement, ce qui fait que l'ensemble, au niveau de la coordination des deux mains, n'est pas facile. Par ailleurs, la main gauche a été écrite également avec des déplacements latéraux importants. Par exemple, nous avons travaillé chaque point précisément. Il y a 5 bémols à la clé, les bémols si, mi, la, ré, sol. Il y a 3 temps par mesure, nous sommes en tonalité principale de si bémol mineur. Nous commençons le travail par la main gauche, c'est-à-dire les 8 premières mesures qui présentent des motifs avec une basse et des accords et donc des déplacements latéraux, ce qui représente une grande partie du morceau. En fait, la main gauche possède des motifs avec basse et accords et d'autres motifs avec des arpèges. Là, on va étudier les motifs basse et accords. Mesure 1, si bémol, ré bémol, fa, si bémol, 4, 2, 1, puis un renversement de la tonalité, fa, si bémol, ré bémol. On va préciser la notion de renversement. Ici, on a un accord de si bémol mineur. Ici, c'est l'accord de si bémol mineur, renversement 1. Ici, c'est l'accord de si bémol mineur, renversement 2. Et en fait, sur chaque mesure, le principe va être le même. On aura une tonalité et des renversements d'accords. Et là, c'est l'exemple sur si bémol mineur. Donc, on revient sur la mesure 1, 4, 2, 1, 5, 2, 1. Mesure 2, on va chercher le mi bémol, ici.
Au niveau du déplacement, il est bon de réaliser progressivement l'extension de telle manière à ce que le pouce devienne doigt de référence. On regarde le pouce, on réalise l'extension de l'octave main gauche, on sait que le 5 est sur le mi bémol. Puis, mi bémol, sol bémol, si bémol. On peut faire 4, 2, 1. On peut faire 5, 3, 1. Il y a le choix. Puis, sol bémol, si bémol, mi bémol, 4, 2, 1. Va refaire les deux premières. On continue. Mesure 3, la bémol. Puis, mi bémol, la bémol, do. Puis, renversement, la bémol, do, mi bémol. Continue, mesure 4, ré bémol, ici. Puis, ré bémol, fa, la bémol. On pourrait faire 5, 3, 2. C'est possible. C'est pas très agréable. Ça aurait le seul atout de préparer la main pour l'accord qui vient. On peut faire aussi 4, 2, 1. Puis, petit déplacement, 4, 2, 1. Fa, la bémol, ré bémol. La mesure 5 est identique à la mesure 1. La mesure 6 est identique à la mesure 2. On arrive donc à la mesure 7 avec un do. Puis un accord mi bk, si bémol do. 5, 2, 1. Puis un accord de fa. Do fa la bk. Voilà les 8 mesures pour la main gauche. Il faut donc s'entraîner avant, bien sûr, de mettre la moindre note à la main droite pour absolument maîtriser ces motifs en étant bien régulier, en ne perdant pas de temps sur les déplacements latéraux, ce qui donne au final. Bien sûr, on va utiliser la pédale. C'est simple, on change de tonalité à chaque début de mesure. C'est vrai ici, c'est vrai après. Dans l'essentiel des cas, l'essentiel des mesures, on aura une respiration de la pédale en début de mesure. Je joue la première note, juste après je mets la pédale, je tiens la pédale, je tiens la pédale, je fais respirer la pédale lorsque j'appuie la première note de la prochaine mesure et je remets la pédale dessus. Et le fonctionnement sera le même dans toute la partition. Il y a un cas qui sera différent lorsque dans une mesure, on aura un changement de tonalité au sein de la mesure. Et pour 95% des mesures, l'utilisation de la pédale sera fidèle à ce que je viens de montrer. On remarque une chose. Pour réaliser ces motifs, on est obligé de regarder la main gauche. On ne peut pas aller chercher facilement le mi bémol, le la bémol, qui sont des notes assez éloignées, sans regarder le clavier. Ce qui veut dire que la main droite devra trouver ses notes en grande partie par elle-même. On pourra bien sûr jeter un coup d'œil de temps en temps sur la main droite, mais en même temps, il faudra regarder la partition. Il faudra surtout regarder la main gauche, ce qui veut dire que lorsqu'on va travailler la main droite, on doit penser à trouver les conditions de telle manière à ce que la main droite trouve ses notes par elle-même, par sens tactile, en trouvant les notes directement par le simple toucher. Nous regardons l'introduction de la chanson, c'est-à-dire que le chant commence à la fin de la mesure 16. Ici, nous avons une introduction avec une petite mélodie main droite, mais qui n'est pas le chant principal de la chanson.
Et nous allons retrouver à la main gauche ce qu'on a déjà regardé, mesure 1 jusqu'à mesure 8. On va retrouver mesure 9, ce qu'on connaît, mesure 10, mesure 11, etc. Sauf une petite modification, mesure 16 par rapport à la mesure 8. Mesure 8, nous avions. Mesure 16, nous avons. Mis à part cette petite modification, l'ensemble des mesures main gauche entre la 9 et la 16 est égal à l'ensemble des mesures de la 1 à la 8. Donc on va regarder la main droite avec, on s'en souvient, l'obligation que la main droite trouve ses notes par elle-même. Mesure 9, Fa ré bémol, Si bémol. Ça répète. Le 5 est déjà positionné pour la mesure 10, Sol bémol. Si bien que lorsqu'on positionne le début de la mesure 9 toute la main, il n'est plus utile de la regarder. Par contre, il faut positionner tous les doigts dès le départ. Et qu'est-ce qu'on observe? Mesurons, nous avons Sol bémol, Mi bémol, La bémol. Le Sol bémol, on l'a déjà. Le Mi bémol, on l'a déjà. On sait que le pouce est sur le Si bémol. Nous n'avons qu'à déplacer le pouce sur le La bémol et tout y est. Le 4 en mesure 12 est déjà sur le Fa. Dit autrement, une fois qu'on a la position en mesure 9, on a la position mesure 11. On n'a pas besoin de regarder la main droite. Donc mesure 11, on refait tout. Mesure 13, nous avons Fa, Ré bémol, Si bémol qui revient. Le 3 est déjà sur le Mi bémol, mesure 14. On peut jouer toutes ces notes sans regarder. Si bien que mesure 9, mesure 10, mesure 11, mesure 12, mesure 13, mesure 14. Et donc, il faut s'entraîner sans regarder le clavier. Mesure 14, nous sommes donc ici. Puis, on met le 4 sur le Ré bémol qui est ici, on le sent. Ré bémol, Do, Si bémol, Do, mesure 15 et 16. Donc, il faut toujours avoir ce réflexe. Lorsque, dans un morceau, il y a une zone où on va devoir regarder telle ou telle main, on essaye de trouver une solution de l'autre côté, l'autre main, pour que les notes que l'on doit jouer puissent être exécutées sans le contrôle du regard. Et ici, c'est le cas. Alors, bien sûr, parfois, c'est plus difficile. Et parfois, il faut contrôler un peu à gauche, un peu à droite. Mais lorsqu'on peut trouver toutes les notes par sens tactile, on le fait. Donc là, on a vu toute la main droite sur cette partie. Une fois que c'est bien maîtrisé, on peut mettre les deux mains ensemble. L'interprétation, c'est comme dans une valse. Le premier temps sera un peu plus fort et les temps 2 et 3 seront un peu en dessous. Ce qui veut dire qu'il faut à peine poser la main, faire agir son poids, mais pas de sollicitation musculaire pour avoir finalement le son le plus faible. Nous poursuivons. À la main droite, on va retrouver des motifs équivalents
à l'introduction. On va tout de suite la déchiffrer. Fa de mesure 16, Fa, Fa bémol, et mesure 17. Mesure 18. Et en fait, la position de la main à la mesure 17 est très proche du début de l'introduction. Mesure 18. Mesure 19. Mesure 20. Et là, on reconnaît bien sûr le début de la chanson. Mesure 22. Mesure 23. Et mesure 24. Donc, une fois qu'on a fait l'introduction, on trouve assez rapidement ces mesures à la main droite entre donc les mesures 17 et 24. Par contre, à la main gauche, il y a une nouvelle difficulté. La mesure 17, on la connaît, la mesure 19, on la connaît, etc. Par contre, mesure 18 et mesure 20, c'est nouveau. C'est un motif d'arpège montant main gauche. Mesure 18, mi bémol, sol bémol, si bémol, mi bémol, sol bémol, si bémol, mi bémol. C'est l'arpège montant de mi bémol mineur. Et mesure 20, ré bémol, fa, la bémol, ré bémol, fa, la bémol, ré bémol. On va voir exactement mode opératoire pour exécuter proprement les arpèges. La mesure 22, c'est identique à la mesure 18. Donc nous avons deux motifs d'arpège, l'un mesure 18, l'autre mesure 20. Le mode opératoire pour exécuter proprement les arpèges nécessite toute une préparation, tout un cours qui est long. Et il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour bien maîtriser les bases des arpèges. Ici, on va faire un petit résumé. On va rappeler les principes. Le prépositionnement dès le départ. Que les doigts soient prêts. Le passage de pouce ici, c'est jamais avec une rotation du poignet. Il y a toujours un petit saut, le 4 fait son travail. Ici, le doigt de réception sur la prochaine position, c'est le 4. Dans d'autres situations, ce sera un autre doigt, ça peut être le 3. Donc, le doigt de réception fait son travail, ne va pas jusqu'au bout, 5 mm, 1 cm avant. Il y a un petit saut et on se retrouve sur la position suivante, ici. Donc, il y a toujours un petit saut. C'est la vitesse qui fait qu'on ne s'en rend pas compte. Autant dans une gamme, il y a un legato total du début jusqu'à la fin, dans l'arpège, ce n'est pas le cas. Pour une raison simple, c'est qu'il y a certaines liaisons qui ne sont pas possibles. Prenons un exemple. Si on fait, par exemple, l'arpège de mi majeur, 5, 3, 2, 1, ici, on ne peut pas faire accéder le 3 sur le sol dièse avec un legato, sinon on serait obligé de tordre le bras. Donc, comme la liaison physique n'est pas possible, il y a 1 cm, 1 cm et demi, tout dépend des situations, tout dépend des tonalités. Ici, l'écart est environ 1 cm. On fait un petit saut. Et c'est le saut qui est difficile. Car quand on fait un saut, évidemment, on peut glisser lorsqu'on arrive. Et on peut rapidement se retrouver dans des situations où le 4, au lieu d'arriver sur le sol bémol, va glisser, ou bien il va arriver un petit peu après, il va arriver un demi-ton après, etc. Donc, c'est jamais facile de se positionner après un petit saut sans glisser. Donc, il faut s'entraîner. Ça peut durer parfois des semaines, des mois, suivant les cas.
suivant les tonalités, si c'est la main gauche, si c'est la main droite, si c'est montant, si c'est descendant, etc. Sauf que ici, c'est pas très rapide. Donc le saut est quand même plus sécurisé que si on allait à une vitesse très élevée. Donc il est quand même relativement facile d'accéder au sol bémol, surtout que on est aidé par la pédale forte. Voilà l'arpège mi bémol mineur, main gauche, montant. À la mesure 20, c'est la tonalité de ré bémol majeur qu'on peut prendre 5 3 2 1, qu'on peut prendre 5 4 2 1. Ça dépend un petit peu de chaque main, la grandeur des doigts, la facilité de tel ou tel par rapport à cette tonalité. Mais bon, en général, 5 3 2 1 est plus facile. Donc ici, 5, 3, 2, 1, le doigt de réception sera donc le 3. Ici, le doigt de réception vers la prochaine position. Et encore une fois, il y a un petit saut, le 3 fait son travail, mais il ne va pas jusqu'au bout, 1 cm, 1,5 cm avant, je lâche le pouce. Et le 3 arrive sur le Fa. Et le plus tôt possible, le 2 et le 1 se positionnent sur les notes qu'ils vont bientôt jouer. Donc avant toute chose, bien sûr, vu la difficulté qu'ils présentent, mesure 18, mesure 20, mesure 22, il faut travailler la main gauche de manière isolée, bien la maîtriser. Puis, l'arpège. L'arpège, etc. En comptant les temps, nous avons 1, 2, 3. Donc, au niveau de l'arpège, 1, 2, 3. Les notes qui représentent les temps, ici. 1, 2, 3. Ici, je marque légèrement les notes sur les temps. Pour la phase préparatoire, bien sûr, après, on ne marque pas les notes au niveau de l'arpège. On continue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà le travail main gauche. Vu la difficulté main gauche avec ces arpèges, vu que la main droite, les motifs changent un peu par rapport à ce qu'on connaît déjà, même si bien sûr ça ressemble beaucoup. Il n'est pas raisonnable d'essayer d'affronter, d'aborder les 8 mesures, mains ensemble, de face et d'un seul coup. Il faut vraiment séparer le travail. Mesure 17, c'est assez facile. Et puis, là, on est début de mesure 18. Mesure 18, on va la travailler de manière isolée. Sans passer à la mesure 19, sans passer à la mesure 20, il faut vraiment bien s'arrêter sur ce travail. Donc les points de rencontre, c'est ici, ici, les deux points de rencontre, les deux premiers, celui-ci et celui-ci. On va faire après le reste. On revient sur les deux premiers temps. Et on va aller jusqu'au troisième point de rencontre. Il faut travailler que ça. Et petit à petit, on poursuit. Mesure 19. Et on est début de mesure 20. Et le même travail. Point de rencontre, point de rencontre, point de rencontre. Et
avant de continuer, mesure 21, 22, 23, 24, on va essayer d'assembler la 17 et la 18, la 19 et la 20, etc. Ce qui fait que cette zone peut prendre vraiment du temps pour le travail. Le travail préparatoire main gauche sur les arpèges, la coordination des deux mains, le fait d'être bien nourri, qu'il n'y ait pas de rupture dans l'exécution des arpèges, fait qu'on est sur un niveau de difficulté quand même nettement supérieur à ce qui a été vu avant. L'arrangement a été écrit de manière progressive et là, on entre dans une zone qui nécessite de l'expérience. Nous abordons une partie qui n'est vraiment pas facile. À la main gauche, on va retrouver exactement ce qu'on a déjà vu, avec une basse, des accords, l'arpège montant, etc. Quelques toutes petites modifications, mais pour l'essentiel, la main gauche reste intacte. À la main droite, on va avoir deux difficultés qui vont surtout poser des problèmes au niveau de la coordination des deux mains. On commence par le déchiffrage mesure 25. Et là, on est mesure 26. Qu'est-ce qui est ajouté? On a ici deux notes mesure 26 et une tierce. Après tout, ce n'est pas si difficile. Sauf que les deux notes ici, les deux croches, au total durent un temps. Et dans le même temps, ici, on a trois notes, un triolet. Donc, dans le même temps, on a trois notes ici, deux notes là. Et la question va être sur la coordination des deux mains. Comment on fait lorsqu'on a un nombre de notes entre main gauche et main droite qui ne sont pas proportionnelles entre eux? Pas facile de coordonner trois notes avec deux notes. Et on va voir comment ça va se faire. Donc voici ce qui apparaît à mesure 26. Puis, fin de mesure 26, on a un sol bémol et mesure 27, do, mi bémol, la bémol, on continue. Et donc, il y a une extension. Main droite sol, c'est pas si difficile, sauf que on se souvient que la main gauche bouge. Elle fait les déplacements qui vont nécessiter le contrôle du regard. Donc ici, ça bouge, et ici, ça bouge. C'est un peu plus compliqué. Alors éventuellement, on peut jeter un petit coup d'œil de gauche à droite rapidement. Mais quand même, on peut également travailler la main droite sur ce motif mesure 27 de manière tactile. Ce qui est plus difficile, ici, on a le 3 ou éventuellement le 2 sur le sol bémol. On va chercher le do, on sent le mi bémol ici. On sent le la bémol ici, le 2 sur le do. Il y a du travail tactile. Voilà la deuxième difficulté qui apparaît. Donc la première difficulté, en fait, c'est un problème de rythme. Mesure 26, entre main gauche et main droite, trois notes, deux notes. Et la deuxième difficulté, c'est le motif mesure 27, main droite. Puis, mesure 28, on va retrouver une même type d'équation que mesure 26, c'est-à-dire qu'on a ça. Deux notes pendant trois notes. On continue les chiffrages. Donc, nous étions ici. Puis, fin de mesure 28, on peut mettre le 5 sur le Fa. Le 4 est aussi possible. Mesure 30. Encore une fois, ce type de motif. Deux notes suivies d'un accord. Mesure 31. Mesure 32. Donc, il y a quand même des nouveaux motifs main droite entre la mesure 25 et la mesure 32. On va s'arrêter donc sur le problème de coordination. Trois notes d'un côté, deux notes de l'autre. Si on est rigoureux et si on calcule les temps, on va s'apercevoir que la deuxième croche main droite tombe au milieu
de la note 2 et 3, main gauche. Ici, on a trois notes pour un temps. La première dure un tiers de temps, la deuxième dure deux tiers, un tiers de temps, la troisième un tiers de temps. Elles sont durées égales. Celle-ci commence à 0 pour terminer un tiers. Celle-ci commence à un tiers pour terminer à deux tiers. Celle-ci commence à deux tiers pour terminer à trois tiers. Ce qui veut dire que le milieu de la note 2 et de la note 3 se situe à 0,5. Facile à démontrer. Ici, ça commence à un tiers. Ici, ça commence à deux tiers. Un tiers plus deux tiers, ça fait trois tiers, c'est-à-dire 1. Le milieu, c'est 0,5. Autrement dit, cette note-là, le si bémol, la première note ici commence à 0 pour terminer à 0,5. Cette note-là commence à 0,5 pour terminer à 1. Donc cette note-là, qui commence à 0,5, est bien positionnée au milieu des notes sol bémol, si bémol, c'est-à-dire les notes 2 et 3 du triolet. Et ce sera toujours comme ça. Lorsqu'on a un triolet d'un côté, par exemple deux croches, et de l'autre main, deux croches, la deuxième croche, main droite, est positionnée au milieu des notes 2 et 3, main gauche. Et donc, voilà comment on positionne correctement la note à la main droite. Évidemment, on le fait après plus à l'intuition. On ne va pas calculer chaque dixième de seconde entre la main gauche et la main droite. Mais quand même, il faut savoir le faire. Et après, c'est plus donc à l'intuition, à l'expérience que on gère ce genre de situation. Voilà comment ça s'exécute. Au niveau de la coordination mesure 27, et on va préférer contrôler par le regard à main gauche que la main droite. Mesure 28, sur le plan rythmique, c'est exactement pareil que la mesure 26. On va avoir ça. Et cette note-là va aller au milieu de ces deux notes. Et on continue. Etc. Et encore une fois, mesure 30. C'est la même équation que mesure 26 et mesure 28, un triolet à gauche, deux croches à droite. Mesure 31, on est dans le cas que j'ai évoqué en début de vidéo, où à la main gauche, on va voir un changement de tonalité au sein de la mesure. Ici, c'est du Do, puis c'est du Fa. On a deux accords différents au sein d'une même mesure. On va relâcher la pédale. On va faire respirer la pédale au sein de la mesure. J'appuie la pédale, je garde la pédale, je fais respirer la pédale et je reviens. Il y a même besoin de dire qu'au niveau de la coordination des deux mains, il faut y aller petit bout par petit bout. Ça peut prendre plusieurs jours de travail. Et au final, cela donne ceci. Nous abordons le deuxième grand thème de la chanson avec
avec une mélodie qu'on connaît bien. À la main gauche, on va retrouver des motifs que l'on connaît, une basse avec des accords ou des arpèges. Par exemple, mesure 33, puis mesure 34, l'arpège qui va faire un petit retour. Pas de difficulté supplémentaire. Le retour, simplement trois notes. On va voir l'arpège en mi bémol mineur, en ré bémol majeur, on a déjà eu. Donc, c'est une partie qui ne présente pas de difficultés importantes. Il y a quelques nouveaux motifs qui vont apparaître, on va les étudier. Donc, mesure 33, main droite. On met le 4 sur le dos. Qu'est-ce qu'on remarque? Une fois que la main a sa première position, elle évolue progressivement et elle gagne toutes ses positions de manière tactile. Il n'est pas nécessaire de contrôler la main droite pour faire ceci. Nous sommes là, puis là, puis là, puis là. Donc on peut s'entraîner dès le départ à faire la main droite sans regarder. Et nous allons retrouver la même chose, ou presque, après. Quelques petites modifications vont intervenir, par exemple, mesure 42, une petite variation, au lieu de faire ici mi bémol do, en mesure 42 va apparaître le ré bémol. Deux petites modifications. De la même manière, mesure 36, il y a do fa, en mesure 44, do mi bémol. Tout simplement parce que lorsqu'on fait une phrase et qu'on la répète quasiment à l'identique, on essaye de faire des petites variations soit de notes, soit d'interprétation. Donc là, c'est une petite modification. Au niveau de la main gauche, on va retrouver des choses que l'on connaît ou des choses faciles à apprendre. Mesure 33, mesure 34, mesure 36, des répétitions de ces motifs. Au niveau de la coordination des deux mains, les mesures 33, 35, 37, etc. ne posent pas de soucis. Il y a une noire à la main gauche pour deux croches à la main droite. Mesure 35, 37, difficulté. Et la difficulté, une nouvelle fois, va venir du fait que mesure 34, mesure 36, mesure 38, etc., nous allons avoir trois notes à la main gauche pendant que la main droite joue deux notes. Mesure 34, on a un triolet pendant que la main droite joue deux notes. Cette note-là intervient au milieu de et ça donne
Même chose, mesure 36. Encore une fois, à titre d'exercice, pour bien comprendre le mécanisme, on peut essayer doucement de positionner la deuxième note de la main droite au milieu des notes 2 et 3 de la main gauche, bien sûr. Mais en fait, avec l'expérience, on se lance et à l'oreille, on voit si c'est bien proportionné ou pas, si c'est bien positionné. Donc, on ne calcule pas, la musique n'est pas non plus une affaire de mathématicien. Donc, on lance la mélodie et on regarde à l'oreille si tout va bien. Il y a un nouveau motif entre les mesures 45 et 47. 45, on est ici. Puis 46. Et donc 47, c'est la fin du thème. Et après, ça reprend. Au niveau de l'interprétation, on pourra, sur cette partie, faire un crescendo accéléré progressivement, une espèce d'envolée tout au long du thème. Puis, à la fin, mesure 47, on laisse patienter pour atterrir sur la tonalité de Do majeur. Donc, au niveau de la mélodie, la main gauche, je vais simplement faire une page, je vais bien montrer la mélodie, tout doucement. Et puis là, on monte. Donc, on peut profiter du fait que la main droite monte doucement pour faire une interprétation qui convient à la fois en termes de rythme, à la fois en termes de volume sonore. Le reste de la partition est une répétition de motifs déjà travaillés. Et on arrive, mesure 63-64, à la conclusion. En mesure 72, nous étions ici. 63, 64. Un mot concernant l'harmonie pour dire que cette chanson est représentative d'une famille harmonique où les basses sont successivement espacées de 7 demi-tons l'une après l'autre. En effet, on peut remarquer que ça commence par un si bémol, puis un mi bémol, puis un la bémol, puis un ré bémol. Donc bien sûr, cette règle des moins 7 ne décrit pas la totalité de la partition, mais on peut dire qu'il y a des zones qui respectent complètement cette règle-là, et en effet, si bémol, moins 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on arrive sur un mi bémol, moins 7, moins 7. On voit bien que les basses, les premières basses, celles qui présentent le thème général, sont construites avec cette suite de moins 7 entre une note et celle qui suit.